Chez les Tics, c'est fait. Voilà, Pellerin avec le disque. Pellerin, patient, va remettre en sortie à Roy. Roy s'amène en attaque pour les Félins. Déborde défenseur, attention, il y a une ouverture. Passe tentée devant, et voilà le but! Capitaine Maxime Pellerin accepte la superbe passe de P.O. Roy en entrée de territoire. Et dès les premiers instants du match, les Tigres prennent les devants 1-0. On s'est amené en sortie de territoire du côté des Tigres. Il y a eu longue passe transversale de Pellerin à P.O. Roy qui a esquivé la mise en échec qu'allait lui servir le défenseur qui a raté son coup et par la suite Roy a alimenté les Tigres. Deuxième vague qui est là. Belzile en entrée. Belzile pour Prichepov par la rondelle. Attention, on va s'amener là. En échappée, c'est Allison. Allison seul devant Darvaux. Tire et voilà le but. Marqué par Ben Allison et le Titan qui crée l'égalité 1-1. On a joué mollement la ligne bleue du Titan chez les Tigres. Et ça permet aux Titans d'Acadie Bathurst de créer l'égalité 1-1 sur leur troisième tir au but. Allison, un bon marqueur également, a accepté la passe. Je crois que c'est Andrews. Edwards, plutôt. Pilgrim Edwards. Et il vient battre Nathan Darvaux d'une belle feinte. La cible, Bouranoumoué dans l'aile pour Sullivan. Sullivan tente de se créer de l'espace. Il remet à Bouranoumoué dans l'aile, c'est pour Simard. Simard vers Sullivan, il a de l'espace. Sullivan devant pour Saint-Onge. Tire, arrêt. On cherche la rondelle. On tente de la pousser derrière Bernard qui a fait un bel arrêt sur la séquence. Du bon boulot de la part du quatrième trio des Tigres sur cette séquence. Mais on n'a pas été en mesure de marquer. Neuvième tir des Tigres depuis le début de cette période. Bien, à 5 contre 5, les Tigres qui ont la majorité des chances. Depuis le début de la rencontre, on voit la reprise ici du dessus du filet. Merci ici. Quand une passe tire, c'est raté. Attention, la Kingsley. La longue passe tentée pour Nadeau qui s'était isolé. Nadeau va tenter de s'amener seul. Nadeau s'avance. Une fight. Et voilà le but! Alexandre Nadeau. Superbe fight en échappée. Il vient déjouer le gardien Yann Bednar sur une passe de Samuel Kingsley et les Tigres reprennent les devants 2-1. Gorionov derrière pour Prichepov, c'est raté. Une quinzaine de secondes à faire à la période. À la ligne de c'est Belzile. Belzile, attention à Bouranoumoué, il a de l'espace. Bouranoumoué, il va d'un tir et voilà le but! Dans la circulation, Igor Bouranoumoué marque. Et les Tigres qui ajoutent à leur avance, c'est 3-1. Il y avait de la circulation, mais beaucoup d'espace pour Igor Bouranoumoué. Il en profite pour marquer. Yann Bednar est battu sur le 12e tir au but. Dirigé vers lui, c'est un troisième but pour les Tigres. C'est pour Bellegarde qui tente de faire dévier pour Pellerin. On accepte. Attention, Bellegarde s'avance, il a de l'espace de l'autre côté. Tire et voilà le but! Tommy Cormier accepte la superbe passe de Thomas Bellegarde. Quelle présence d'esprit de Bellegarde et les Tigres qui ajoutent à leur avance. C'est 4-1, la Gordie Dwyer du côté du Titan. Veut qu'on aille voir s'il y avait hors-jeu. C'était serré. Mais le but était superbe, la passe de Bellegarde. Pour Bellegarde. Bellegarde revient là sur son côté fort, passe à Pellerin. Et là, Pellerin va tenter de déborder pour Bellegarde qui va s'échapper. Bellegarde seul. Beau harponnage de Bernard sur la séquence. C'était une à l'embouchure du filet pour Pellerin. Plutôt Bellegarde à Roy. On s'amuse là chez les Tigres. Roy. Il est de son revers. Il passe à Pellerin. Pellerin s'avance. Il va en tirer. Voilà le but! Capitaine Maxime Pellerin marque son deuxième du match. Les Tigres ajoutent à leur avance. C'est 5-1. On s'est amusé en territoire offensif chez les Tigres comme si on était à 5 contre 4. Et Maxime Pellerin a hérité d'une rondelle dans l'enclave. Un peu en haut des cercles de mise en jeu. Il a pris un tir dans le haut du filet. Ça a peut-être dévié là, sur un défenseur du Titan. Et ça se retrouve dans le filet protecteur. Et là-dessus, P.O. Roy aura une autre mention d'aide.
Pellerin tente de se créer de l'espace. Il est patient. Pellerin, on le met de la pression sur lui. Tente une passe à Roy qui est raté. Et autre échappée, cette fois, c'est Melançon qui va s'amener. Melançon, il va dans un tir. Bel arrêt, cette fois-ci, de Darvaux. Il avait cédé en première période. Là. Ah ben, les Tigres viennent défensifs. Rondel glisse dans le coin. Belzile s'est avancé. Il remet derrière pour Prichepov. Prichepov tente de revenir de son côté fort. Passe devant Gorionov. Et voilà le but! Egor Gorionov, qui a raté plusieurs chances depuis le début de la saison, bien marqué. Enfin! Et c'est sur une superbe séquence des Tigres en territoire offensif. 6-1, les Tigres. Ils ajoutent à leur avance. Le duo russe qui s'est mis en évidence sur la dernière séquence. Belle passe de Prichepov à Gorionov à l'embouchure du filet. Tente une passe à la ligne bleue, c'est raté. On va s'amener, attention, Darvaux qui est sorti très loin, va remettre de l'autre côté à Vigneault. Et c'est ainsi que va se terminer ce match. Vous entendez la sirène à l'instant. Grosse victoire des Tigres. Après une défaite à Rimouski, ils reprennent rapidement le sentier de la victoire. Victoire de 6-1 face aux Titans d'Acadie Bathurst. Les Tigres signent ainsi une cinquième victoire